La spécificité de Vaccueil, effectivement, c'est d'être un parc de sculptures. Et au fil des expositions, les artistes qui ont été présentés à Vaccueil ont marqué, ont laissé des traces, et ces traces, ce sont leurs sculptures. Ça nous permet de présenter aujourd'hui un parc de sculptures de plus d'une cinquantaine d'œuvres diverses, qui sont des mosaïques, des bronzes, des céramiques, des marbres et autres des plus grands sculpteurs et artistes de la deuxième partie du XXe siècle. Et dès le début, avec une des premières expositions, celle de Vasarely en 1971, nous avons commencé à positionner des œuvres d'art dans le jardin. Le fait aussi justement de cette dissémination de petits bâtiments un petit peu partout, donc tous ces mariages font de Vaccueil un lieu à part, avec une très forte présence artistique qui, nous intéresse particulièrement, évidemment.